Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiées le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine. Alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais te parler de comment arriver à structurer tes idées si tu as des objectifs ou tu en as pas encore, mais tu souhaiterais trouver comment quoi faire dans ta vie. Enfin, tu as pas trop d'idées et tu aimerais aboutir à quelque chose, à donner du sens à ta vie. Moi, je vais te donner un exemple par rapport à nous. Donc, comment on est arrivé à structurer notre idée par rapport à notre idée de chaîne, c'est-à-dire Autonomy Lifestyle, notre mode de vie. C'est tout un projet, en fait, qui fait que c'est sur du long terme, que ça va nous prendre du temps. Ça prend du temps parce que c'est quelque chose qui prend du temps, quoi. Donc, vu que je travaille avec la nature, après c'est du développement personnel aussi également. Il y a le côté financier. Bon, comme je t'ai dit, il y avait les quatre piliers, donc l'autonomie donc énergétique, alimentaire, financier et au niveau du mindset dans la tête, c'est-à-dire se cultiver pour s'ouvrir sur le monde. Voilà, donc je te donne un exemple, c'est-à-dire comment on peut partir d'une base au départ, c'est-à-dire par où commencer, on va dire, par exemple. Donc je te montre ici, tu peux voir sur le tableau, il y a un espèce de schéma, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais je vais te le montrer, comme ça tu vas mieux comprendre comment y arriver. Allez, je te montre ça. Alors, tac. Ça s'appelle une mind map. Alors, comme tu as remarqué, on a un beau tableau à côté de la bibliothèque. Donc là, tu vois, on a un petit peu de tout, des photos. Donc là, on a des listes de tâches qu'on écrit, ensuite qu'on barre au fur et à mesure ce qu'on a déjà fait. Bon, moi ici, je les ai mis, mais je les ai mis directement sur l'ordinateur parce que j'ai un logiciel, enfin une application qui me permet de garder toutes mes idées. Et donc là, comme tu vois, ça s'appelle une mind map, c'est-à-dire que dans le centre, tu as ton truc principal, c'est-à-dire un objectif. Et tu as plein de branches qui vont t'amener à ces solutions, c'est-à-dire plein d'idées. Et à travers ces idées-là, tu as d'autres idées que tu recoupes à chaque fois qui viennent s'ajouter au fur et à mesure, c'est-à-dire quand j'ai une idée, je peux rajouter. Et donc au niveau des branches, c'est structuré selon les différentes idées. Et voilà. Donc comme tu peux voir, alors je vais te montrer avec quel livre j'ai pu apprendre à faire ça. Alors c'est le livre, je l'avais pas vu, il est juste ici. Tac. Donc ce livre s'appelle Mind Map, dessine-moi l'intelligence, de Tony et Barry Buzan. Ce sont deux écrivains, ils sont reconnus pour le Mind Map. Ils font pas mal de conférences. Libérez votre créativité, boostez votre mémoire, transformez votre vie. Tu vois, et là-dedans, donc à l'ère de l'intelligence, en ce siècle du cerveau, en ce millénaire de l'esprit, nous dédions ce livre à tous les conquérants de l'esprit qui se battent pour développer et libérer l'intelligence humaine.
Donc, au niveau du sommaire, voilà un potentiel mental illimité. Bienvenue dans l'univers des mind maps. Qu'est-ce qu'une mind map? Principales applications: mémoire, pensée, créative, prise de décision, prise de notes. Pas mal de choses. Et donc là-dedans, tu vois, il y a plein de schémas. C'est quand même très créatif. Moi, j'adore ça. Et je trouve ce livre super si tu souhaites arriver à structurer mieux tes idées. Parce que voilà, tu as souvent des idées qui te passent dans la tête, que tu aimerais faire mais que tu mets pas en place parce que tu as ton quotidien et tu te laisses divertir par le divertissement et au final tu n'arrives pas à mettre en place tes projets. Donc, moi je te conseille, si tu le veux, je mets le lien dans la description, le livre de Mind Map, et tu vas voir, tu le lis et instantanément après tu vas prendre un bout de crayon, un papier, tu vas écrire, tu vas écrire, tu vas écrire, et ça va te libérer le cerveau, tu verras. Ça va beaucoup t'aider dans tes prises de décision, prises de notes, à définir des objectifs clairs. Et ça va beaucoup t'aider, je pense, si tu as envie de le faire aussi également. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Si tu as des questions, pose-moi dans les commentaires. Mets-moi un gros pouce bleu pour m'encourager. Et je te dis à bientôt. Salut!